Bon, salut tout le monde, bienvenue dans ce vlog. Alors on est aujourd'hui aux 24 heures du Nürburgring, ce sont mes premières. Elles viennent de se terminer, vous voyez que les tribunes sont bien vides derrière moi. Le bilan de ces 4 jours passés sont assez exceptionnels. C'est la première fois que je venais aux 24 heures du Nürburgring et j'ai trouvé une ambiance assez exceptionnelle et assez unique dont on m'avait beaucoup parlé et vanté les excès, mais dans le bon sens du terme, que ce soit au niveau des campings, au niveau de l'accès pour le public avec l'après-gris et tout cela. C'est génial en fait, donc je voulais remercier tout simplement ceux qui ont permis de m'amener ici pour vous faire cette petite vidéo. Tout d'abord merci à Gran Turismo, salut Mélissa, merci beaucoup d'avoir réglé la situation en quelques jours pour m'amener ici pour suivre la deuxième manche de la Nation Cup et de la Manufacturers Cup de la compétition. Ensuite il y avait Honda qui est venu m'aider, merci beaucoup à Honda, à Jean-Luc d'avoir permis tout simplement ma présence et mon accès au paddock sur l'ensemble des 4 jours. Merci à Martin évidemment pour tout cela aussi. En tout cas moi je vais vous laisser avec le vlog. Alors c'est pas un vlog parlé parce que vous allez pas me voir. Je voulais vous faire quand même cette intro, j'espère que le vent n'est pas trop fort. En fait vous allez voir un petit film, un microfilm de mon expérience au Nürburgring, un film d'ambiance comme j'aime bien le faire de temps en temps. Donc j'espère que ça vous plaira. Nous on se donne rendez-vous dans d'autres vlogs. Si vous avez vous aussi de bonnes ou de mauvaises expériences avec le Nürburgring, n'hésitez pas à vous exprimer et à m'en parler. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi je n'ai été déçu de rien, que ça soit les gens, la gentillesse, l'ouverture. Enfin bref, le circuit, dès qu'on demande quelque chose, tout le monde parle gentiment, que ça soit en anglais, en français, en espagnol, bref, il n'y a absolument aucune retenue, on est vraiment très très bien accueillis et la bière est pas chère, ça fait deux belles choses. En tout cas les campings aussi, très belle ambiance, on a pu aller lors de la dernière nuit. Alors vous me voyez là avec coup de soleil, fatigue, taurine dans le sang, mais voilà, j'espère que ce vlog vous plaira, c'est parti, j'arrête de discuter. Thank you.
Je viens de me prendre un litre de peintre.